m'est arrivé une vraie rencontre littéraire. Moi, je viens d'un... On ne lisait pas chez moi. Enfin bon. Mais j'avais une prof de français au lycée qui m'a emmené voir En attendant Godot avec toute la classe. J'avais quoi, 16 ans au Bouffes du Nord, à Paris. Mise en scène par Otmar Kreschka avec Rufus, George Wilson. Et je me rappelle que ça avait été un choc, vraiment un choc de voir En attendant Godot, cette pièce de Beckett. Et j'ai beaucoup lu Beckett après, je me suis beaucoup intéressé, j'ai lu énormément, même des biographies, des essais. Je crois que c'est l'homme, l'écrivain sur lequel on a le plus écrit. Donc il y a du matériel. Et donc Beckett, ça a été vraiment une énorme importance pour moi, et encore maintenant. Enfin, j'ai eu l'occasion de le rencontrer. Je le raconte, j'ai l'impression que je radote un peu avec ça. Mais bon, je te le dis. je travaillais comme ouvreur au théâtre du Petit Montparnasse en 83. Je me rappelle, en février 83. Et je vivais avec un copain dans une chambre à Paris. Et j'avais un portrait de Beckett au-dessus du lit. Et puis tous les trois quarts des bouquins que j'avais, c'était Beckett. Donc il était au courant. Et il vient me voir à un moment en me disant: je viens de voir passer ton pote Beckett. Et donc je lui ai donné la caisse du théâtre dans les mains. Je l'ai suivi, je l'ai reconnu, je l'ai suivi. J'ai fini par l'aborder. C'était la nuit. Et il a été formidable parce que on a discuté quelques minutes. Il était absolument adorable. Il m'a serré la main, il m'a dit bonne chance. Et puis voilà. Donc j'avais 19 ans. Ça a été vraiment une grande. C'était très important pour moi, Beckett, l'écriture. Ouais. Après, il y a d'autres, hein, bon, plein, beaucoup. Je lis beaucoup finalement. Je suis parti du comité de lecture du Rond-Point, donc on lit des textes. Mais bon, voilà, il y a Thomas Bernhardt, il y a des écrivains qui sont un peu, que je mettrai haut, bien sûr. Voilà, sinon, non, je me rappelle d'avoir vu Rix de Grimbert quand j'étais jeune aussi, qui m'avait beaucoup interpellé, parce que pour moi, le théâtre, c'était quelque chose de très lointain, et c'est une langue très forcément soutenue, enfin, quand j'étais très jeune. Et puis de voir Rix de Grimbert, de lire le texte après, ça avait été... Et même, je crois que jusqu'à Occident, qui se passe en ce moment au Rond-Point, il y a... bon, Grimbert, on connaît ses dialogues, il aime bien ça aussi... Moi, je me suis autorisé avec ça.